Azucena Camano, qui partage la vie de Florent Pagny depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, se moque régulièrement du chanteur à cause d'un de ses plus gros défauts. Florent Pagny serait-il un peu trop franc? Ce vendredi 1er septembre 2023, TF1 consacre sa soirée au célèbre interprète de Ma liberté de penser, savoir aimer, ou encore Et un jour une femme, avec en prime time une émission dans laquelle il accueillera ses amis chanteurs pour une série de duos, suivi d'un documentaire retraçant les mois qui viennent de s'écouler. On découvrira notamment son retour sur scène, après son intense combat contre le cancer du poumon, qui lui avait été diagnostiqué en janvier 2022, et qui l'avait forcé à mettre sa carrière en pause durant plusieurs mois. Ce défaut de Florent Pagny dont se moque sa femme Azucena. Un documentaire intitulé Florent Pagny, le phénix qui s'annonce aussi truffé d'anecdotes au sujet de l'artiste de 61 ans, il est toujours sans filtre, confirme le réalisateur Michel Jankielewicz à nos confrères de Nous Deux. Le chanteur n'élude effectivement rien de sa vie privée, s'affichant volontiers avec sa femme Azucena Camano et ses deux enfants à elle et un cas, ou encore ses frères et sœurs lors d'une grande réunion de famille en Bourgogne. Dans une autre séquence, ils sont tous dans sa loge après le concert. Il ne sacralise rien, Florent, raconte le réalisateur, qui était déjà à l'origine d'un premier documentaire diffusé en janvier dernier. Une tendance à la franchise qui pourrait presque s'apparenter à un défaut, Azu se moque d'ailleurs de lui en lui disant qu'il dit tout, ajoute-t-il amusé. Florent Pagny et Azucena amoureux depuis plus de 30 ans en juillet dernier, lors d'une interview accordée à l'émission Le Monde d'Élodie, sur France Info, Florent Pagny évoquait sa grande complicité avec la mère de ses enfants. Elle a tout ce qui me manquait, et j'apportais tout ce qui pouvait lui manquer, quand il y a cette complémentarité, si est ce qu'on appelle des couples karmiques, assurait-il avant d'avouer tout de même. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas comme tous les couples, parfois, ça ronfle à la maison. Mais si est-il vrai qu'après 30 ans, ensemble, note de la rédaction, on est obligé de se regarder encore en se disant que si est-il sûr, on va finir notre vie ensemble, avait-il joliment déclaré.